Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Chaim, Robert Ben Fortune, Mazal, Rachamim, Ben Rosa, Yedida, Bet Esther, et Eliyahu Vanish. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, complète à 5 minutes éternelles. Nous, c'est toujours Maserhat Erchin, Perikvav, Mishnah Gimel, Afal Piche, Amrou, Chayave, Arachin, Memashkani, Notan, Notnimono, Mazon, Shloshim, Yom, Uksut, Shneem, Asar, Chodesh, Umita, Mutsaat, Vesandalin, Utfilin, Lo, Aval, Lo, Lichto, Velo, Lebanav. Imaya, Oman, Notnimlo, Shnei, Kle, Umanut, Mikol, Min, Vamin, Tcharash, נותנים לו שני מעצדין ושתי מגירות. רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר, נותנים לו את צמדו, חמר, נותנים לו את חמורו. À partir de cette Mishnah, jusqu'à la Mishnah, Gimel Dalet Hey, en fait, jusqu'à la fin du chapitre, on va parler d'un sujet très intéressant, de savoir comment est-ce qu'on va évaluer, estimer les biens d'une personne qui est limite, qui est pauvre, pour pouvoir lui faire une saisie de biens par rapport aux lois des Arachin. Je m'explique. Là, dans la paracha d'Arachin, on avait déjà, au début de la Maserhet, on avait déjà vu ça dans les Psukim, que la Torah elle me dit, bon, on va fixer un prix fixe pour les hommes, pour les femmes, de selon l'âge. Mais la Torah, elle a aussi laissé une issue de secours pour celui qui n'a pas les moyens de payer aussi cher. Veim machmu, az, veim machmu merkecha, s'il est plus pauvre. Mach, c'est quelqu'un qui est pauvre. Comme ça c'est dit dans la Torah. Alors, le Kohen, il faudra qu'il aille chez... qui est chez le Kohen va le faire une estimation. D'accord ? Ça c'est très général maintenant. Comment est-ce qu'on va décider s'il est pauvre, selon quoi comment on calcule ? Alors, on va faire un calcul, on va voir combien il pèse matériellement, combien il a de biens, combien il a d'argent liquide, combien il a de biens, et selon ça, on va dire, bon, ça on l'exclut. C'est, en fait, on va calculer comment est-ce qu'on fait une saisie. Et là, les Mishnayot, maintenant, vont parler de ça en général, en me disant, bon, qu'est-ce qu'on va lui laisser d'abord pour lui ? C'est normal qu'on ne va pas lui prendre même, on ne va pas se mettre à calculer ses vêtements, on ne va pas lui prendre ses vêtements, on va le laisser habiller quand même. Et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on va lui laisser ? Qu'est-ce qu'on ne va pas lui laisser ? Et... ouais. La caméra avec laquelle je filme, par exemple, est-ce qu'on va me la laisser ? Ou est-ce qu'on va me dire, non, ça, c'est, on va la supprimer, et que, comment je ferai demain, il n'y aura pas de cours, maintenant, il n'y aura pas de cours. Selon ça, ça va peut-être varier aussi, si je suis payé pour faire des cours. Eh bien, dans ce cas-là, la caméra, c'est un outil de travail. Si je ne suis pas payé, dans ce cas-là, c'est un petit luxe. C'est un luxe, peut-être qu'il faudra le prendre. Et c'est le principe de la Mishnah, de Mishnayot, de savoir qu'est-ce qu'on va déduire, qu'est-ce qu'on ne va pas déduire. Et je commence à traduire tout de suite la première série. Afalpi shamru chayave arachin memashkenin otan. Bien que de manière générale, Chachamim ont dit que les dettes de arachin memashkenin otan, on va les prendre en saisie. On va faire une saisie de biens. On n'est pas que par rapport au passage de Veimachou de la Torah, mais il y a encore plus que ça. On a même appris que quelqu'un qui ne veut pas payer sa dette, on va partir lui faire une saisie de biens. On en avait parlé un petit peu dans l'émission, on allait même partir voir les créanciers, au lieu d'aller prendre plutôt les acheteurs de maison. D'accord ? Donc la Mishnah maintenant m'enseigne. Même si j'ai une halakha que le gizbar, le gabaï du Bet Din, le gizbar plutôt, il va venir et va faire une saisie de biens pour pouvoir payer. Se faire payer la dette. Eh bien, il faut savoir que notre Nimlo Mazon Shoshim Yom, on lui mettra quand même, on lui laissera prendre, on lui laissera l'argent nécessaire pour acheter à manger pendant 30 jours. Uksut Shnamasar Chodesh, de quoi se vêtir pendant 12 mois. Umita Mutsaat, et un lit complet, c'est-à-dire prêt, un lit prêt, c'est-à-dire on va laisser une paire de draps avec un coussin, tout ce qu'il faut pour dormir. Mais aussi Sandalim, des chaussures. De quoi avoir des chaussures, ou tefilin, on lui laisse cette tefilin, on ne va pas les faire une tefilin. Lo, aval lo le ishto, ve lo le banav. Pour lui, mais pas pour sa femme, ni pour ses enfants. Et si déjà, allez, je continue dans la deuxième série, on fera de l'ordre dans tout en même temps. Imaya uman, maintenant si c'était un artisan, not nimlo, shnek le umanut, mikol min vamin. Si c'était un artisan, on lui donnera deux ustensiles de chaque espèce avec lesquels il a besoin pour travailler. C'est-à-dire, s'il est, justement, comme la Mishnah me dit, charash, s'il est menuisier, alors le menuisier, il a besoin de plein de choses. Il a besoin d'une scie pour couper le bois, il a besoin d'une ponceuse pour pouvoir planir le poncer, pour rendre lisse le bois. Alors, notnim lo shnema atzadin, on lui donnera deux de chacun. S'il a plusieurs sortes chez lui, plusieurs tournevis, on lui donnera deux tournevis. Plusieurs sortes de tournevis, chaque tournevis de sorte. Même principe. Shnei, on va lui donner donc deux ma'atzadin. Ma'atzadin, Rachid explique, chez Machlikin, bo, pne, alouach,
Lorsque tu as une planche de bois, tu veux la rendre lisse, c'est une ponceuse. Et aussi, on le donne aussi, Ushte Megerot. Megera, Rachid nous dit, c'est Sekinaror, Aroch, Malek, Bimot, un couteau qui a plein de des dents qui vont dans tous les sens, ça s'appelle une scie, qui rapporte une sig, Belaz, c'est la scie. Bartenora, Rachid, c'est la même chose, un que il copie. Bartenora, il copie souvent de Rachid des Pirushim. Bartenora, il a structuré les Pirushim. Il n'a pas créé forcément un Pirush. Il a choisi, ah, ici je vais prendre Rachid, ici je vais prendre le Rambam, ici je vais prendre. Et comme ça, il a tout réuni dans le livre. Enfin, donc, là, il va nous apporter, on va lui laisser deux scies, donc deux ponceuses de scie. Et on explique un petit peu mieux de quoi on parle, et on explique c'est quoi cette histoire, qu'on ne va rien laisser pour sa femme, quoi, c'est pas possible. Vous allez voir que c'est très logique. Je reprends. J'ai fait un don de Donovan Benamigdash, un RR. J'ai pas d'argent de quoi payer. Je vais voir le Cohen va me dire pourquoi t'as pas d'argent pour payer. Réponse, j'ai prévu de partir en vacances pour cet été et ça va me coûter 20 000 shekels donc j'ai plus d'argent. Le Cohen va me dire tu renonces aux vacances et tu payes. Normal. Ça, c'est un cas extrême. Mais où on va fixer la limite minimale? En fait, on va laisser le minimum vital de ses biens. Alors, comme on a dit, il y a plusieurs choses. Ici, on parle d'une série de choses, et il y a dans le Mishnah et une autre série encore de choses. Là, on parle pour le moment tout ce que tu as besoin pendant 30 jours, 12 mois. Alors, sur ça, on va lui laisser un vêtement pendant un an. Et on va lui laisser aussi de quoi manger, de quoi acheter à manger. S'il n'a pas de nourriture, concrètement, on va lui laisser de l'argent pour pouvoir manger pendant 30 jours. On va lui laisser aussi un lit pour dormir. Toutes ces choses, et aussi des chaussures et des tefilines. C'est normal, un juif est obligé d'avoir ses tefilines. Pas de talit, j'ai déduit, et c'est très logique, parce que talit, il n'y a pas d'obligation de porter un talit. C'est si tu portes un habit à quatre coins, tu as l'obligation d'avoir des tzitziot. Mais sinon, tu n'as pas l'obligation de mettre le talit. Donc ça aussi, on va lui prendre. Et après, on va voir, selon ça, une fois qu'on va supprimer toutes ces choses-là, on va voir qu'est-ce qui reste. S'il reste de quoi se servir pour pouvoir payer le plein pot du RR, alors il le payera. Sinon, on fera une estimation, comme ce qu'on a appris, on en avait évoqué, est-ce qu'il faudra payer un seul, il faudra payer tout ce qui reste. Maintenant, je saute l'histoire pour le moment avec la femme et les enfants. Je préfère d'abord passer juste à arranger cette histoire avec les clés ou manoutes, les outils de travail. Alors, pour tous les outils de travail, on va lui laisser, donc, comme on a dit, deux de chaque chose. Ok ? Ça, pour le moment, tout va très bien. La marloquette avec Rabbi Eliezer, on la laisse pour après. Et maintenant, je mets un petit zoom sur l'histoire avec la femme et les enfants. On apprendra, il faut distinguer deux choses. Il y a les choses que, les biens que je possède déjà et que j'utilise, ou que ma femme utilise, ou que chacun, ouais. Et il y a aussi, à part ça, mon devoir en tant que mari, d'acheter des habits à ma femme si elle en a besoin, ou à mes enfants, ou de leur acheter à manger. Il y a deux choses différentes. Dans notre Mishnah, on parle de mes dettes. Tout d'abord, peut-être que je fais une autre introduction avant de commencer. Vous êtes d'accord que le Beit HaMikdash, il va me dire, écoute, faut que tu payes, on va te laisser de l'argent. Et si je leur dis, j'ai pris tout à l'heure un cas un peu extrême de vacances, mais en fait, il y a toutes sortes d'autres choses aussi. Il y a aussi le fait que je vais devoir rendre une dette à quelqu'un d'autre. Alors laissez-moi encore 200 shekels, parce que dans 3 semaines, il y a mon cousin, je dois lui rendre 200 shekels. Le Beit HaMikdash va me dire, ton cousin, nous aussi, tu nous donnes de l'argent. Nous, on prend et ton cousin, il se débrouillera. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on laisse pour ton cousin et puis nous, on va servir? Vous entendez la logique? Pourquoi plus l'un que l'autre? Il y a tout un procédé, comment ça se passe lorsque c'est deux créanciers. Je ne rentre pas dans les détails, je vais juste expliquer le principe. La même chose, mon devoir en tant que père de famille, j'ai un devoir, je me suis engagé dans Maktouba lorsque je me suis marié, de donner à manger à ma femme et de donner à manger à mes enfants et aussi de les vêtir aussi. Donc c'est un devoir que j'ai. Mais c'est une dette. Or, j'ai dit que j'allais... j'ai aussi une dette envers le Beit HaMikdash. Alors le Beit HaMikdash, il vient, il me dit, écoute, tu me donnes l'argent, je te prends. Et comment elle va faire sa femme? Je sais pas, elle va travailler, je sais pas. T'as qu'à partir, casse-toi la tête, quoi. Va trouver du travail plus, je sais pas, va faire la manche. C'est pas notre problème. Nous, t'as une dette, t'as dit que t'allais donner tes biens, donc on vient, on les saisit. Pour lui spécifiquement, alors la Torah, elle a fait une remise de peine. En réalité, même toi, on aurait dû tout prendre. Le plumer, littéralement. Selon la Torah, on dit, Veimachum erkecha. Et s'il est pauvre, lui, de sa valeur. Comme ça, il y a une insistance pour le hu. Et de là, on déduit que tu sais, même lorsqu'il est pauvre, tu vas lui prendre, mais de manière à ce qu'il va quand même rester quelqu'un, un être vivant. Un être hu.
Techayoto, comme ça dans le partenariat rapporte. Vimachu merkecha vedarshera banan, lekrachi, vimach, tase sheisher hu, sheelo avaya vechyut. C'est-à-dire, ne le plume pas complètement au point où il va être mort. Prends-lui tout, mais laisse-lui quand même de quoi vivre. Mais sur ça, on insistait hu et pas sa femme. Maintenant, on apprendra dans la Mishnah qu'il y a les biens qui appartiennent déjà à la femme. C'est-à-dire, les choses qu'on a déjà achetées, les vêtements de la femme, les vêtements des enfants. Je ne sais pas s'il faut inclure aussi le lit de la femme aussi, qui est déjà à elle, et les draps qui sont déjà à elle, et les chaussures qui sont déjà à elle. Tout ça, si on les a déjà achetés, alors bien sûr qu'on les laissera à sa femme. Parce qu'au moment où je les ai achetés, ma femme, elle les a acquis. Et on en parle dans ma batama, tout ça, qu'au moment où j'achète pour ma femme, ça, c'est plus ma propriété et elle utilise mes biens. Je les ai achetés pour elle, ça lui appartient à elle. Et idem aussi avec mes enfants, je les ai achetés pour les enfants. Et on précisera plus davantage dans Mishnah He, comment, quoi exactement, quoi inclure dans ça. Mais tout ce que j'ai acheté, et même pire que ça, même si j'ai de la nourriture que j'ai déjà achetée pour ma femme ou pour mes enfants, alors depuis le moment où je l'ai acheté pour eux, ça leur appartient. De ce fait, le Gizbar va déduire ça. Ce que le Gizbar ne déduit pas, le Gizbar c'est le trésorier, ce que le trésorier ne déduit pas lorsqu'il va venir me voir, c'est uniquement par rapport à mon engagement de la nourrir. Ton engagement de la nourrir, t'as aussi un engagement envers le Beit HaMikdash de payer ta dette. D'accord ? Je pense que ça a été assez clair. Et maintenant, on continue sur la suite de la Mishnah. On a évoqué l'histoire avec les ustensiles de travail. Il faut maintenant distinguer deux choses. Une notion générale que j'ai vu les Mishnahs d'après, on ne va plus tellement en parler. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas que que ça va être plus explicite. En tout cas, je vous donne l'idée générale. On distingue dans la Torah, ça va être nécessaire pour comprendre la marloquette avec Rabbi Eliezer dès maintenant. On distingue dans la Torah deux sortes d'entrées. Il y a les rentes des biens et il y a le fait de travailler. Je peux gagner de l'argent parce que je travaille, parce que je suis couturier, parce que je suis maçon. Je travaille avec le fruit de mes mains. Mais je peux aussi gagner de l'argent parce que je suis commerçant. J'ai des marchandises que je revends. Je peux aussi gagner de l'argent, encore mieux que ça, parce que j'ai des rentes. J'ai investi dans un hôtel et je loue des chambres d'hôtel. Eh bien, pour ces alertes-là spécifiquement, on va prendre deux cas extrêmes, parce que je ne veux pas trop m'avancer si je ne connais pas exactement les limites. Je vais prendre deux cas extrêmes. Mon hôtel ou bien mon savoir d'être un grand professeur, d'être un grand informaticien. D'accord ? Et donc j'ai besoin de mon ordinateur pour travailler. Eh bien, lorsque je travaille à l'hôtel, lorsque j'ai un hôtel que je vends, alors on ne considère pas l'hôtel comme un outil de travail. C'est pas un outil de travail, c'est un bien. Et si c'est un bien, on va faire une saisie de l'hôtel. Et comment est-ce que je vais faire pour vivre demain ? Excellente question, c'est pas notre problème. Tandis que les outils de travail, ce qui sont définis comme un outil de travail, donc c'est moi qui travaille, c'est moi qui produis, j'ai besoin d'outils, on va me laisser mes outils. Vous entendez qu'il y a une différence ? C'est-à-dire qu'en fait, au moment où les gens viennent dormir dans mon hôtel, même si c'est moi qui leur ai organisé, qui vient, qui leur change les draps tous les jours, qui fait le ménage, qui organise que la chambre soit propre et tout ça. Mais ce que je leur donne aujourd'hui, ce que je leur fournis, c'est pas mon travail. Ce que je leur fournis, c'est mon bien. Donc mon hôtel, c'est considéré comme un bien, c'est pas comme un outil de travail. Et si c'est considéré comme un bien, alors on va lui faire une saisie. Et tandis que les outils de travail, on va pas lui faire une saisie. Alors ça, c'est deux cas extrêmes. Il y a maintenant un cas au milieu, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Omer et Maya Ikar. Rabbi Eliezer enseigne, si c'était un Ikar, littéralement, c'est un paysan. Mais plutôt, en fait, on parle que c'est celui qui travaille dans les champs, mais qui tourne. Celui qui va tirer la... Qui est celui qui travaille la moissonneuse. Emaya Ikar notnim lo et tsimdo. On va lui donner sa charrue. Ouais. C'est-à-dire, lorsque je veux travailler, je travaille dans les champs, je moissonne. Alors, je laboure plutôt, excuse-moi, c'est pas moissonner. Je laboure. Donc pour labourer par exemple, j'ai besoin de la charrue. La charrue avec j'ai des animaux et je les utilise pour travailler. Et bien selon Rabbi Eliezer, sache que notre nimloet tsimdo, on va lui donner la charrue avec les vaches aussi. On lui donne un total pour que tu puisses continuer à travailler. Khamar, si c'était un, je sais pas comment ça se dit, quelqu'un qui a un âne, mais qui utilise l'âne pour transporter, c'est-à-dire c'est un transporteur. À notre époque, c'est comme si qu'il avait un taxi pour travailler. Donc il vient, il travaille certes, mais il a
il a aussi sa voiture, en fait. Les gens, ils utilisent sa voiture, et lui qui le dirige. Idem, à l'époque, Yaskev Elohamar, c'est celui qui avait un âne, que les gens lui chargeaient l'âne, et puis il transportait les charges. C'était un transporteur, et un camion. C'est un peu plus fin. Lorsque le transporteur vient avec son camion, qui me fait le travail? C'est lui qui porte et le camion qui l'aide, ou est-ce que j'ai besoin finalement de son camion? Et j'ai besoin de quelqu'un aussi qui va l'apporter, qui va porter la marchandise jusqu'au camion pour ensuite la transporter. Mais ce que j'ai loué, en fait, c'est le camion avec le chauffeur. Mais c'est pas que j'ai eu besoin d'une personne qui va porter ça sur son dos. Ouais, c'est là la petite nuance qu'il y a. Que Hamar, notre Nimlo et Hamor, selon Rabbi Eliezer, de nouveau, c'est un transporteur avec un âne, eh bien on lui donnera son âne, on lui laissera son âne. Chachamim ne sont pas d'accord, parce qu'ils considèrent que c'est considéré des... C'est pas des Kleomanout, Samet Bakar Vachamor. Nechassim Ninu Velo Chachive Kleomanout. C'est considéré comme des biens, et c'est pas considéré comme des Kleomanout, comme des outils de travail. Je connais pas exactement la limite, je ne peux pas m'avancer plus pour préciser davantage. Vous avez compris, malgré tout, l'idée générale, elle est claire, d'accord? Donc il y a, je reprendrai succinctement, il y a les outils de travail, c'est pour un artisan, mais il y a à part ça, toute une autre sorte de rente, de personnes qui travaillent en utilisant des biens qui sont très conséquents, plus importants, où finalement on a plus besoin en fait de son outil que de la personne elle-même. Donc dans ce cas-là, c'est considéré comme un bien et pas comme un outil de travail. Et Rabbi Eliezer vient et me dit, sache que malgré tout, on les inclut quand même dans les outils de travail. J'imagine qu'ils n'ont pas parlé de l'hôtel, mais si on aurait bien des airs aussi, on lui laissera l'hôtel. Parce que c'est par là que tu as tes rentes, grâce à cet hôtel que tu loues, à la différence de Khamim qui dira non, tout ça, ça s'appelle des biens. Si c'est des biens, on fait des saisies des biens. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.